où en est l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit que la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment. C'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vase d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre sainte scène, faisons notre culte. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga. Celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga. Toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga. Toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga. Tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga. Il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga. Celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom cette fois avec moi? Jésus. 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 Nous sommes ce matin en ta présence, Seigneur. Nous voulons rester à tes pieds. Nous voulons, comme cette jeune femme, Seigneur, t'adorer. Nous voulons briser, Seigneur, à tes pieds tout ce qui nous coûte cher, Seigneur. Tout ce qui a du prix à nos yeux, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te contempler. Nous voulons saisir, Seigneur, cet instant, Père. Je veux rester à tes pieds.
apporte la guérison. Cette touche qui guérit les cœurs. Cette touche qui guérit les âmes. Cette touche qui nous donne la joie de vivre. Cette touche qui nous relève. Cette touche qui fait de nous des champions. Oh Papa, ta touche qui nous amène à la perfection. Ta touche qui nous amène à l'excellence. Excellent Père de grâce. Ta touche qui nous donne une réelle identité. Ta touche qui confirme notre existence. Oh excellent Père de grâce. Nous te disons merci pour cette touche. Merci pour cette touche. Car quand bien même les vies ont été disloquées, les vies ont été démembrées, les vies ont été déchiquetées, et que ta touche intervient, elle amène la restauration de ces vies, Et nous attestons, lorsque elle amène la restauration, c'est comme si ces vies n'ont jamais connu ces genres de dislocation, ces genres de déchirure. Et c'est en paix de grâce, qui peut faire ça, si ce n'est que toi seul. Oh, toi seul, c'est toi seul qui peux faire ça. Parce que tu es réellement Dieu. Tu es le véritable. Tu es celui-là qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Et ce que tu fais, rien de ce que tu fais, rien ne peut ressembler à tes yeux, mais c'est en paix de grâce. Tu es notre bouclier. Ta touche donne la grâce. Ta touche donne la gloire. Et c'est en paix de grâce. Tu es le seul Dieu qui ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, à ceux qui t'invoquent, Seigneur, Père de grâce. Tu es le rocher de notre salut. Et nous ne pouvons que pousser des cris de joie vers toi. Oh, Papa, mon Dieu, il est beau de te louer. Il est beau de te célébrer. Il est beau de célébrer ton nom. Car tu nous réjouis par tes œuvres, tu nous réjouis, excellent Père de grâce. C'est pour cela que nous bénissons ton nom, c'est pour cela que nous voulons acclamer ton nom, le seul nom, le nom que tu nous as, le nom de Jésus, le nom qui nous donne l'identité, le nom qui nous rassure, le nom de Dieu qui guérit, en ce nom que tu nous as donné. Et en ce nom, tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de chasser les démons, d'amener la vie, oh Papa bon Dieu, d'amener la vie de l'obscurité à la lumière. Voilà pourquoi nous te disons merci, excellent Père de grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Papa bon Dieu. Parce qu'on n'a pas vu quelqu'un qui nous a aimés comme toi. On n'a pas vu un Dieu qui nous a aimés comme toi. On n'a pas vu un Dieu qui ne cesse de manifester de l'amour envers nous, malgré nos actes de désobéissance, malgré, oh Papa, mon Dieu, nos faiblesses. Tu es toujours fidèle. Amen. Nous bénissons ton nom, excellent Père de grâce. Nous te disons merci, glorieux Saint-Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de vie. Tu es l'Esprit de sagesse. Tu es l'Esprit d'intelligence. Oh Papa, mon Dieu. Tu es celui-là qui nous donne la joie de vivre. Notre existence dépend de toi. Oh Papa mon Dieu, merci encore une fois. Merci parce que tu es miséricordieux et tu es plein d'amour. Tu es miséricordieux envers ceux qui t'invoquent. Tu es plein d'amour envers ceux qui t'invoquent. C'est pour cela, Papa mon Dieu, ce matin encore, nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos manquements. Pardon pour nos offenses. Les offenses envers nos parents, les offenses envers ceux qui nous ont éduqués, les offenses envers nos leaders, les offenses, oh ouais, c'est la paix de grâce, envers nos dirigeants. Nous reconnaissons que délibérément, nous refusons d'obéir, nous refusons de nous soumettre à nos autorités, nous refusons de nous soumettre à nos parents, nous refusons de nous soumettre à nos leaders, à nos voisins. Oh Papa, nous te demandons pardon, car tu as dit dans ta parole que lorsque nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont offensés,
que toi-même tu vas pas nous pardonner. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, pour te demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons eu à faire, que nous n'avons pas pu citer ici, et c'est la paix de grâce qui constitue des actes d'offense, des actes de désobéissance. Nous te demandons pardon pour cela. Pardon également pour ce pays, le Mali. Pardon pour tout ce qui a été fait dans ce pays-là, qui constitue, Papa mon Dieu, des actes de désobéissance. Pardon parce que nous n'arrivons pas à faire bien connaître ta parole. Nous n'arrivons pas à présenter ta parole qui libère, ta parole qui amène des vies, oh Papa mon Dieu, à l'existence, qui amène des vies de l'obscurité à la lumière. Nous te demandons pardon pour cela. Merci la paix de grâce. Et nous sommes rassurés que tu nous as pardonné. Parce que nous sommes rassurés que tu nous as pardonné. Oh Papa mon Dieu, nous voulons encore une fois te clamer, acclamer. Nous voulons encore une fois te bénir ton nom. Et nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci Papa mon Dieu pour ton amour. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.
libra. Thank you.
pour ton règne sur ma vie. Et dans nos vies, ce vent de paix, ce vent d'amour, ce vent de joie, ce vent de grâce, ce vent de vie, ce vent de paix, ce vent de joie, ce vent de grâce, ce vent de vie, ce vent d'amour, pour ma salaire. Devant l'œuvre de la croix.
retentira sur ceux qui habitaient le pays, dominé par des pestes ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et si l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage des butins. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol, et tout manteau que l'on a roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et Prince de la paix. Prince de la paix, c'est toi qui apportes la paix, Jésus. Tu es le Prince de la paix, Prince de paix, oh Prince de paix, oh Prince de paix. Et il instaurera la paix qui durera pour toujours. Au trône de David et à tout son royaume, sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. On te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, nous te disons amen. Merci pour ton amour, merci parce que tu te souviens de ce pays, tu te souviens de cette nation. Tu fais du bien, tu fais lever sur cette nation une lumière rayonnante, et tu brises, Seigneur, l'oppresseur, et tu fais régner la paix dans tout le pays. Les ramalosi katari bakatari dosekete. Amen. Sa grande moisson dans ce pays, dans les continents, dans les nations. Donne-moi un beau amen. Alléluia. Alors, dans cette phrase-ci, c'est qui dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Alléluia. Donc, on a traité cela déjà deux dimanches et nous sommes apesantis sur la première partie de ce truc, de ce sous-thème qui parle de pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Donc, nous avons vu comment aborder cet aspect de présenter nos propres offenses à Dieu. Alléluia. Et pour nous sonder nous-mêmes, pour regarder en nous-mêmes, pour fouiller en nous-mêmes et travailler sur nous-mêmes et nous présenter au Seigneur afin qu'il nous pardonne nos offenses. Et on a vu que nos offenses étaient, quand on parlait de la Bible, parle d'offense, elle parle d'iniquité, c'est-à-dire du mal qu'on fait. Elle parle aussi d'offense en termes de devoir non accompli, des choses qu'on doit, et on a vu cela le dimanche dernier. Et la troisième chose, elle parle des frustrations, de cet ensemble de choses de frustration qui se constituent aussi donc des offenses dans nos vies et qui nous privent de l'exaucement divin et qui peuvent nous priver de la grâce de Dieu. Souviens-toi donc de ce passage que nous avons lu dans Hébreux, chapitre 12, au verset 15, qui nous a dit, justement, il dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça signifie donc que l'on peut être privé malheureusement de la grâce de Dieu. Amen. Verset 14, Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit: faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Amen. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Alléluia. Donc, il est en train de nous dire ici que nous pouvons être privés de la grâce de Dieu si nous laissons entrer dans nos cœurs, dans nos vies, l'amertume. L'amertume des racines d'amertume. Donne-moi un mot, amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui cause ces racines d'amertume aussi? Il y a ces racines d'amertume qui peuvent être causées par nos offenses, parce que nous avons offensé des gens, et on a vu cela le dimanche dernier. Mais la racine d'amertume est aussi causée par les offenses que nous subissons. C'est pour cela qu'à cette phase de la prière, le Seigneur te dit que c'est vrai que tu vas présenter tes offenses, que tu vas demander pardon à Dieu parce que peut-être tu t'es mal comporté, peut-être que tu as eu à trébucher, peut-être que tu as commis une erreur, peut-être que tu as offensé quelqu'un, peut-être que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Alors tu viens demander pardon à Dieu. Tu dis: Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Mais à cette étape de la prière, le Seigneur Jésus nous interpelle. Il nous dit que le pardon de vos propres offenses dépend d'une chose. Il dit: dites, pardonne-nous nos offenses. Comme, c'est-à-dire de la même façon que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la racine d'amertume qui est causée par l'offense de quelqu'un d'autre contre nous, si nous laissons cette racine à prospérer dans notre cœur, c'est en cela qu'elle va nous priver de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va aborder donc cette deuxième partie de cet enseignement pour voir le Seigneur nous demande, nous appelle au pardon. Dis avec moi le pardon. Le Seigneur dit que nous, on a besoin d'être pardonnés parce qu'on est des pécheurs notoires, reconnus notoirement et mondialement. Amen. Donc, chaque jour, quand tu pries, à un moment donné, tu dis: Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai péché. J'ai peut-être commis une erreur. J'ai fait une faute. Le Seigneur dit: il est disposé, il est prêt à t'accorder son pardon. Mais ça dépend d'une chose: comment toi, quand tu es offensé, quand tu es blessé, quand on te trahit, quand tu subis des abus, quand tu as subi toutes sortes de choses injustes, comment toi aussi tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé? Il dit: c'est cette façon-là, ta culture personnelle du pardon, c'est cette culture personnelle du pardon-là qui va t'accorder le pardon de Dieu. En d'autres termes, Dieu est déjà prêt à te pardonner, mais il te pardonne à la mesure que toi tu pardonnes aux autres. Donc ton pardon dépend de toi-même. Alléluia. Dis avec moi le pardon. Alors aujourd'hui, ce matin, je vais aborder avec vous cet enseignement sur sept raisons pour lesquelles tu dois pardonner.
Amen. Tu dois pardonner. Et ce matin, si le temps nous le permet, le temps est très parti. Alléluia. On va voir ensemble sept raisons. Dans les peu de minutes qui nous restent, on va essayer de factoriser. Alléluia. Pour donner sept bonnes raisons pour lesquelles tu dois pardonner. Si après ces sept raisons, tu continues de ne pas pardonner, franchement, je ne veux rien pour toi. Alléluia. Amen. Et pourquoi c'est important de pardonner? C'est important de pardonner parce que comme Jésus a dit, Jésus dit que le pardon que tu vas recevoir ne dépend pas de lui. Jésus dit, il va te pardonner, mais lui, le pardon qu'il va t'accorder ne dépend pas de lui. Wow. Donc Dieu met le pardon dans tes propres mains. Le pardon que tu dois recevoir du ciel, qui va faire en sorte que tes péchés ne soient pas un obstacle à ton exaucement, dépend de toi. Ça dépend de ta façon de pardonner. Alors pourquoi il faut pardonner? La première chose, il faut pardonner parce que vous êtes un fils de Dieu. Parce que nous sommes fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Matthieu chapitre 5. Amen. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il dit, c'est ce que tu as appris en ville. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Donc la première raison qui doit t'amener à pardonner en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, le pardon est une preuve que tu es réellement né de Dieu, que tu es vraiment le fils de Dieu. En d'autres termes, si tu as du mal à pardonner, ça signifie quelque part que il y a des doutes sur le fait que tu sois réellement un fils de Dieu. Parce que Jésus dit, les fils de Dieu, on les reconnaît. Il dit pardonner de telle façon afin que nous sachions, afin que tout le monde sache que vous êtes des fils de Dieu. Donc le pardon vient établir, vient comme valider ton acte de naissance de fils de Dieu. Donc si quelqu'un ne pardonne pas, c'est incompatible avec le fait qu'il dise qu'il est fils de Dieu. Parce qu'on reconnaît un fils de Dieu par sa capacité à pardonner. Pourquoi? Parce que le Père pardonne. Il pardonne. Et quand Dieu te dit de pardonner pour que tu sois reconnu comme fils de Dieu, il donne ici, il dit que c'est quoi le pardon de Dieu? Il dit le pardon de Dieu là. Le pardon de Dieu, c'est un pardon qui fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Donc si tu pardonnes comme ton Père, ça signifie que ton soleil à toi, le soleil c'est ce qui fait rayonner un endroit. C'est-à-dire c'est la gloire, c'est aussi la bienveillance. Est-ce que toi, ton soleil à toi, ta bienveillance à toi, tu la fais lever sur les bons et aussi sur les méchants? Quand Dieu te dit de pardonner, ça veut dire que ce qu'il veut voir dans nos vies, ce qu'il veut voir comme attitude, c'est notre capacité à être bon avec les méchants et aussi avec les gens qui sont bien. Il dit, il fait ton pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Quand Dieu envoie sa pluie, il ne trie pas les champs. Il ne dit pas ça, c'est le champ de Gaspard. Il prie beaucoup, il jeûne beaucoup, arroser son champ. Ça, c'est le champ de Bernadette. Ne touchez pas à son champ, il est méchant. La Bible dit quand Dieu envoie sa pluie, ça arrose tout le monde. La pluie, c'est la grâce. Dieu fait grâce à tout le monde. Dieu arrose tout le monde. Dieu tend la main à tout le monde. En tant que fils de Dieu, si tu veux montrer que tu es fils de Dieu, tu dois pouvoir tendre la main à tout le monde, y compris les mauvais,
y compris les sorciers de ton village, y compris les gens qui t'ont fait du mal, y compris les gens qui t'ont blessé, qui t'ont trahi, les gens qui ont été des pires cauchemars de ta vie. Le Seigneur dit, si tu es vraiment un fils de Dieu, il faut que tu leur pardonnes. Et que tu sois capable de le faire lever sur eux le soleil et la pluie. Et il dit de pardonner comme lui. Parce que le problème du pardon, quand Dieu dit, on dit pardonner pour montrer que tu es le fils de Dieu, ça veut dire de pardonner à la manière de Dieu. Parce que souvent, nous les hommes, nous pardonnons à notre manière. On a une manière de pardonner qui ressemble à une expérience. Vous voyez, par exemple, cette bouteille d'eau, amen, qui est presque pleine. Vous voyez, les hommes, souvent, ils pardonnent avec comme une bouteille pleine. C'est-à-dire, quand ils pardonnent, ils ne font pas partie l'offense. Ça laisse des traces. Ça reste dans leur cœur. On va la tester avec un verre, par exemple. Et un verre ici. Amen. Alors, suivez-moi très bien. Au moins une bouteille d'eau. Alors, donc le pardon selon les hommes, c'est il m'a fait du mal. Je pardonne. Ça, c'est mon cœur. Ça représente mon cœur. Donc, il m'a fait du mal. Je pardonne. La prochaine fois, il vient encore. Il me fait du mal. Il dit, hey, pardon. Je pardonne. Une autre fois, il vient encore. Pardon, je pardonne. Une autre fois, il vient encore. Pardon, je pardonne. Une autre fois, il vient encore. Pardon, je pardonne. Une autre fois, il vient encore. Pardon, je pardonne. Je pardonne. Et un jour, il est venu. Il a fait une petite faute. Une petite faute. Le verre est plein. L'eau a commencé à verser. Et là, l'homme dit, trop, c'est trop. Tous les jours, c'est toi. Aujourd'hui, là seulement, là, c'est terminé. C'est la façon de pardonner les hommes. C'est-à-dire qu'ils pardonnent. Ils pardonnent. C'est bon. Ils pardonnent. Mais ils gardent cela dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'un jour, souvent, il va te dire, trop, c'est trop. Maintenant, il a dépassé les bornes. Cette fois-ci, là, je ne peux plus supporter. Cette fois-ci, je ne peux plus accepter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as pardonné comme les hommes. Quand tu pardonnes, tu rétires. Tu n'as pas pardonné comme Dieu. Dieu, ce n'est pas de cette façon qu'il pardonne. Si Dieu pardonnait de cette façon, on était détruit. On n'existait plus, mon ami. On n'était plus sur la terre. Frère, tu sais combien de fois tu as péché? On ne peut pas compter. Même aujourd'hui, dimanche, avant de venir, tu as parlé mal à ta femme. Tu vois, deux ou trois fois. Tu as déjà rempli le verre. Si Dieu faisait comme toi, frère, tu étais en danger. Et Dieu dit, c'est pas de cette façon qu'il nous invite à pardonner. Regarde Esaïe 43, verset 25. Il dit, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, qu'est-ce que Dieu nous donne ici comme secret? Il dit que quand lui, il pardonne, il ne se souvient plus. Donc, si tu as fait du mal aujourd'hui et que tu es venu demander pardon à Dieu, Dieu considère que quand il a fini de pardonner, il fait quoi? Il efface. C'est comme s'il vidait son vase. Il vide. Donc, quand demain encore tu viens, tu mets une offense dedans. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va ressembler à une nouvelle offense. Donc le cœur de Dieu est toujours vide. Quand tu viens offenser, quand tu finis, il demande pardon, il renverse, il efface, ça n'existe plus.
quand on va venir voir son cœur est vide. Il ne t'en veut plus pour quelque chose. Demain, quand tu viens faire une offense, c'est considéré aux yeux de Dieu, pas comme une offense en plus, mais comme une nouvelle offense. Pourquoi? Parce que l'offense d'hier, il ne s'en souvient plus. C'est ça le pardon de Dieu. C'est comme ça que le Fils de Dieu doit pardonner. C'est-à-dire que tu es avec ton ami, ton collègue, ton frère, ton conjoint, tes parents. Ils t'ont fait quelque chose. Tu dis, j'ai laissé tomber. Après, ils ont fait encore. Tu dis, j'ai laissé tomber. Si un jour tu dis, trop c'est trop, ça veut dire que tu as pardonné comme ça. Ta bouteille est pleine. Mais si tu pardonnes comme Dieu, quand demain va venir, il te dit, je demande pardon. Tu ne vas pas dire, toi, toujours c'est toi. Tu vas dire, c'est pas un problème. C'est considéré chez toi comme si c'est la première fois que la personne venait t'offenser. Parce que hier, quand tu as pardonné, tu l'as effacé et tu ne te souviens plus de ses transgressions. Amen. Donne-moi un mot, amen. Et c'est pour ça que le Fils de Dieu pardonne. Alors, à cette étape-là, je vais te donner un test. Parce qu'il y a des gens qui laissent tomber. Ceux qui laissent tomber là, c'est eux dont le vase se remplit. Ils ont laissé tomber. Mon frère, est-ce que tu as pardonné? J'ai laissé tomber. Non, Dieu ne dit pas de laisser tomber. Il dit de pardonner. Au point où tu ne te souviens plus de ce péché, de cette offense que tu as subie. Donne-moi un mot, amen. Alors, dans la parole du Seigneur, justement dans ce verset-là, il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux savoir si tu as vraiment pardonné, tu connais le nom de la personne qui t'a offensé ou des personnes qui t'ont offensé. Parce que avant de dire, parce que non, j'ai pardonné, j'ai su. Ok. Jésus te dit un test. Il dit, quand tu pries, il dit, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Comme je pardonne à celui qui m'a offensé. Donc ça veut dire que tu dois pouvoir mettre le nom de celui qui t'a offensé. Tu peux dire par exemple, tu dois pouvoir dire, voilà le test simple. Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Comme j'ai pardonné à Gasparine qui m'a violé. Est-ce que tu peux lier honnêtement dans ton cœur, à l'instant où tu m'entends, tu peux lier le pardon que tu attends de Dieu à la façon dont toi tu as pardonné à Gasparine, à la façon dont tu as pardonné à celui qui t'a trahi, à la façon dont tu as pardonné à celui qui t'a blessé, à la façon dont tu as pardonné à celui qui t'a calomnié, à celui qui a fait un complot contre toi pour que tu perdes ce travail. J'ai dit, regarde dans ton cœur, dis, Père, pardonne-moi comme j'ai pardonné à celui qui a fait mon mal envoyé. Est-ce que ton cœur peut faire cette prière? Et si tu es honnête avec toi, tu vas te rendre compte que, attention, en réalité, je n'avais pas encore pardonné, j'avais laissé tomber. Parce que je ne veux pas que Dieu me pardonne comme je lui ai pardonné. Parce que moi, je l'ai laissé tomber, mais je l'ai laissé avec Dieu. Parce que souvent, quand on pardonne, on dit, je te laisse avec Dieu. Tu m'as pas dit mal, non, je te laisse avec Dieu. En d'autres termes, c'est qu'on entend dire Dieu, tu es juste, non. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Il faut qu'il sente le mal qu'il m'a fait. Ça, c'est la façon de pardonner des hommes. Ils disent Dieu, moi je laisse, mais toi, il ne faut pas laisser, pardon. Sinon, moi je laisse, à cause de toi, je laisse, mais toi, Dieu. Et il suivait, quand je vous entends, tu as pris le malheur de tête. Les gens, ils pensent qu'on peut s'amuser avec Dieu. Dieu au ciel, frère. Tu n'avais pas pardonné. Si tu avais pardonné, le jour où on va venir te dire que cette personne est dans le malheur, tu allais commencer à pleurer pour elle. Tu allais dire, oh Seigneur, épargne sa vie. Oh Dieu, ah, tu vas aller lui demander, tu vas aller visiter la personne. Tu vas aller dire, hey, comment tu vas? C'est ça qu'on dit de pardonner. C'est ça que Dieu appelle le pardon. Et toi, tu dis, non. Dieu au ciel. Et les gens pensent que ça va finir comme ça. D'accord. Seigneur, je laisse tomber. Je laisse. Frère, ça, c'est pas le pardon de Dieu. C'est le pardon des hommes. Et tant que tu n'as pas pardonné, ça veut dire que si toi, tu pardonnes de cette façon, tu es en train de dire aussi à Dieu que pour les gens que tu as offensés, ils n'ont qu'à te pardonner de la même façon. C'est-à-dire que eux n'ont qu'à laisser tomber, mais lui, il ne pouvait pas te laisser. Il n'a qu'à te faire payer ce que tu as fait. Est-ce que tu veux que Dieu te pardonne de cette façon-là? Pourtant, tu veux que Dieu efface. Dieu dit, si tu veux qu'il efface pour toi, efface pour ton frère, efface pour ton mari, efface pour ta femme,
Efface pour ton enfant, efface pour ton papa, efface pour ton collègue, efface pour ton... En tout cas, efface. Tu sais de qui je parle, il faut effacer. Donne-moi un amen. Deuxième raison pour laquelle tu dois pardonner, on l'a déjà vu le dimanche dernier. On l'a déjà vu le dimanche dernier. Ne pas pardonner bloque la prière et peut te priver de la grâce de Dieu. Amen. Donc si tu ne pardonnes pas, ça te prive de la grâce. Et on a vu ce passage tout à l'heure, Hébreux chapitre 12, qui dit ne pas se priver de la grâce de Dieu si tu ne pardonnes pas. Ça veut dire que si tu gardes l'offense, si tu gardes des racines d'amertume, la racine d'amertume là c'est l'offense, tu gardes rancune. Donc les rancuniers là, leur prière ne monte pas au ciel. Excusez-moi. Les rancuniers, leur prière ne monte pas au ciel. Leurs prières sont des prières de plafond. Amen. Donc si tu veux que Dieu te pardonne, il faut que tu puisses pardonner. Parce que le manque de pardon bloque ta prière. Ça bloque ta prière. Ça empêche Dieu de te pardonner. Alléluia. Tu peux te priver de la grâce de Dieu à cause du manque de pardon. Marc chapitre 11 verset 26. Écoute bien ce passage qui est choquant quand même. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et donc Jésus avait dit que si tu ne pardonnes pas, lui aussi va te pardonner. Il n'est pas fâché, hein? Mais c'est un principe, c'est un fait, c'est quelque chose de clair et de net. Alléluia. Il dit, si tu veux être pardonné de l'impudicité, si tu veux être pardonné de l'adultère, il faut que d'abord tu puisses pardonner à quelqu'un. Mais il dit encore plus que Dieu pardonne tout sauf le manque de pardon. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas, ça là seulement, il n'y a pas fait de Seigneur, quand tu ne pardonnes pas, tu peux venir dire au Seigneur, Seigneur pardonne-moi, Seigneur je demande pardon. Dieu dit, il n'y a pas de pardon pour ceux qui ne pardonnent pas. Si tu avais commis impudicité même, que tu es venu voir le Seigneur pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai péché. J'ai mal fait. Dieu te pardonne. Mais si tu n'as pas pardonné, pour ça, il n'y a pas possibilité. Tu ne peux pas dire, Seigneur, pardonne-moi. J'invoque le sang de Jésus couvre ma maison. Le sang ne peut pas être efficace si toi-même, tu n'es pas en train de pardonner. Il y a une très belle histoire d'ailleurs de la Bible qui explique cela dans Matthieu chapitre 18. Amen. Matthieu chapitre 18 qui parle donc de cet homme-là. Il dit, si ton frère s'est rendu coupable, va tête à tête avec lui, verset 15. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. On va avancer à cause du temps. Verset 23. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulait régler des comptes avec ses serviteurs. Donc le roi ici, c'est le Seigneur. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Et ça, c'est un gars surendetté. Il était PPTU, frère. Il devait 60 millions de pièces d'argent. Or, une pièce d'argent, même là, ça vaut encore quelque chose. Amen. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi à rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme, ses enfants ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Donc c'était une dette colossale. Une dette pour laquelle on doit te vendre. Vendre ta femme, tes enfants et tes entreprises, tes maisons, frère. C'est des milliards. C'est des milliards. Parce que si toi seulement on te vend, on se dit que tu vas travailler, que tu vas rembourser sur un temps. C'est même pas possible. Ton travail sur des années ne pourra pas rembourser l'affaire. Donc on ne peut vendre tout. Tu vas vendre tout, y compris ta femme et tes enfants. Une vente aux enchères publiques. On dit, Madame Gasparière, qui la prend? 50 millions, premier prix. Quelqu'un dit non, moi je vais la prendre à 10 millions parce que. C'est son mari endetté. Donc c'est une discussion. Avant ta femme et tes enfants.
Amen. Son maître ordonna de le vendre. Le serviteur se jeta alors au pied du roi et se prosterna devant lui, supplia, sois patient envers moi et je te rembourserai tout. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. Amen. Donc ça c'est nous. Dieu dit, tu vas dans la présence de Dieu. Tu as des péchés, nos péchés là, valaient quoi? Ça valait des milliards. Et quand on est venu, on a dit au Seigneur, pardonne-nous. On n'est pas regardable. On n'est pas pardonnable. On est sale. Mais on te supplie. On ne peut rien. On n'a rien pour rembourser ce qu'on a fait. Mais nous voici. Et la Bible dit, Jésus ayant compassion de nous, nous a pardonné et nous a remis nos dettes. C'est-à-dire qu'il a effacé toutes nos dettes. Donc c'est fini. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À peine sorti. Donc tu es venu au culte par exemple. Il y a eu le temps de prier, de repentance, tu t'es repenti. Le matin tu as prié, tu t'es repenti de tes péchés. Dieu t'a donné, t'a libéré. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Lui devait combien? 60 millions de pièces d'argent. Son ami lui devait 100 pièces d'argent. Donc son ami devait peut-être l'équivalent de 100 000 francs. Lui devait soit près de 6 milliards. Et il a rencontré son ami qui lui devait 100 000 francs CFA. Il le saisit à la gorge en criant, paye-moi ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. Lui, quand il devait, qu'est-ce qu'il avait? Il s'est jeté aux pieds du maître et il a supplié. Maintenant, lui aussi, devant lui, son compagnon se jette à ses pieds et il fait quoi? Il le supplie. Sois patient envers moi. La même prière, lui dit-il, et je te rembourserai tout. Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qui lui devait. D'autres compagnons, il y a des frères en Christ qui ont assisté à la scène, qui sont allés en intercession avec moi. Il y a des gens dans le quartier qui ont assisté à la scène, qui ont dit, Dieu, tu es un Dieu juste. Regarde ce qui se passe dans ce quartier. Regarde cet homme à qui tu as pardonné 6 milliards, mais qui est prêt, qui vient de mettre quelqu'un en prison pour 100 000 francs CFA. 6 milliards, 100 000 francs CFA. Où est le coefficient de corrélation? C'est-à-dire quelqu'un à qui on a offert 6 milliards, mais qui est prêt à mettre en prison quelqu'un pour 100 000 francs. Et quand on lit cette histoire, souvent on dit, mais le gars, il est méchant. Parce qu'on voit les chiffres. Mais en réalité, cet homme-là, il ressemble à beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. Parce que nos péchés, que Jésus a pardonné là, ça vaut des milliards. Mais Jésus dit à chaque fois que tu refuses de pardonner à celui qui t'a trahi, à celui qui t'a blessé, c'est parce que tu ressembles à cet homme-là qui a mis quelqu'un en prison à cause de 100 000 francs CFA. Et voilà ce qui va arriver. D'autres compagnons témoignent de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allaient rapporter. Les anges sont allés parler au maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au bureau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Frère, Jésus dit, si tu ne pardonnes pas du fond du cœur à ton frère, que tu n'effaces pas la dette, que tu n'effaces pas le péché comme on l'a vu, toi aussi, il ne va pas te pardonner. Et le pire, il dit, voilà ce qui va vous arriver. Et qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Il devait des milliards. Ça signifie quoi? Avant d'arriver au Seigneur, tu as commis impudicité, tu as commis adultère, tu as fait avortement, tu as violé, tu as volé, tu as été corrompu, tu as critiqué, tu as blasphémé, tu as fait beaucoup de choses. La liste remplie de cahiers. Mais Jésus a tout effacé. Mais le jour où quelqu'un a marché sur ton pied,
Quelqu'un t'a mal parlé dans l'église. Ou une sœur en Christ t'a dit quelque chose. Et tu as dit, ça, je ne peux pas laisser. Comment moi, elle me parle comme ça? Ça, je ne laisse pas. On t'a parlé. On t'a dit, laisse tomber. Tu dis, je ne peux pas laisser. Il faut qu'elle paie. La Bible dit, dès que tu fais ça, tous tes péchés, tes nombreux avortements, on dit, ça est encore vivant. On ramène ça sur la balance. Ce que tu as fait hier, tes meurtres, tes tricheries, tes vols, tes viols, tout cela, à nouveau, ça est dans ta balance. C'est comme si tout ce que Jésus avait effacé, c'est revenu. Pourquoi? C'est pas que Jésus a ramené, mais c'est que tu viens toi-même d'aller réveiller ce qu'on t'avait pardonné par le manque de pardon. Regarde comment le manque de pardon est grave. Comment il peut aller ressusciter des vieux péchés que tu as commis dans avant. Donc quand tu vois ça, est-ce que toi-même là, tu regardes, tu veux pardonner ou bien tu veux continuer à en vouloir à la personne? Parce que si tu vois ce que tu as à perdre dans cette affaire, tu peux perdre beaucoup en refusant de pardonner. Bloquer ta vie, ramener le péché dans ta vie, ramener la condamnation dans ta vie, alors que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais si tu refuses de pardonner, tu seras condamné. Dis à ton frère pardon. Amen. Troisième raison pour laquelle il faut pardonner. Oh, il faut pardonner parce que celui qui t'a offensé, c'est un homme. Luc chapitre 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Donc Jésus dit, une façon pour pardonner, une des raisons pour lesquelles il faut pardonner, c'est que celui qui t'a offensé, lui-même c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme qui t'a offensé. Et la Bible dit que c'est comme ça que Jésus a réussi à pardonner. Il dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des hommes. Ils sont limités. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne voient pas plus loin. Ils ne connaissent pas le futur. Ils ne connaissent pas les choses cachées. Ils ne connaissent pas les motivations profondes. Parce que c'est quand on dit c'est un homme. Un homme, il ne peut te juger que sur ce que ses yeux ont vu à l'extérieur. Parce qu'il ne connaît pas ton cœur. Il ne connaît pas ton enfance. Il ne sait pas d'où tu viens. Qu'est-ce que tu as subi? Celui qui t'a offensé, c'est vrai que tu as mal. Mais tu ne sais pas d'où il vient, quel est son parcours, comment il a vécu. Souvent, quand on suit certains films, on finit même souvent par aimer des gens qui sont des malfaiteurs dans le film. Pourquoi? Parce que leur histoire ne commence pas quand ils sont malfaiteurs. On commence leur histoire quand ils étaient enfants, de la façon dont ils ont souffert. Leur papa les a chassés de la maison. Leur maman les a maltraités. Leurs parents vivaient dans la drogue. Et l'enfant vivait dans la rue. Il s'est débrouillé. Il a lutté. Et il a eu une vie difficile. Une vie de voyousie. Et il a grandi. Aujourd'hui, il a essayé de se faire une place dans la société. Mais il traîne encore les boulets de ces choses. Et il fait du mal autour de lui. Parce que lui-même, c'est quelqu'un de blessé. Alléluia. Et quand toi, tu regardes cet homme-là en train de faire du mal aux autres, tu n'as pas envie qu'on le condamne. Tu as envie juste de leur dire, mais vous ne savez pas d'où il vient. Est-ce que vous savez ce qu'il a vécu? Si vous compreniez son passé, vous n'allez pas le juger de cette façon. Ne le jugez pas, ne le jugez pas. C'est parce que vous ne savez pas d'où il vient. Jésus aussi te dit, quand quelqu'un t'offense, il ne faut pas attendre d'avoir son passé, son futur, son présent. Il faut savoir que c'est un homme. Et qu'il a pu aussi avoir des faiblesses. Et qu'il a pu aussi avoir des manquements. Et qu'il a pu aussi subir des choses. Nous sommes 7 milliards de personnes sur la terre. On est 7 milliards de blessés. Nous tous, on a été blessés. Or, pour que quelqu'un te blesse, c'est parce que lui-même, il a été déjà blessé. Donc, faut voir que c'est un homme en face de toi. C'est juste un blessé. C'est juste quelqu'un qui est déjà malade. C'est les symptômes de sa maladie qu'il est en train de te montrer. Et c'est pour ça que Jésus a regardé les hommes et ne leur en voulait pas. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, beaucoup font. Celui qui t'a fait du mal, très souvent, il ne sait même pas la portée du mal qu'il t'a fait. Il ne savait pas qu'en te violant ce jour-là, il allait dévaster ta vie. Il allait détruire ta jeunesse. Il allait t'arracher. Il allait t'arracher l'estime de toi. Il ne savait pas. Il n'avait pas conscience de l'arbre qu'il était en train de poser. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas. Ton père ne savait pas ce qu'il faisait. Parce qu'il a eu lui-même une enfance difficile. Il n'a pas eu de modèle. N'en veux pas à tes parents. N'en veux pas à tes frères. N'en veux pas à tes amis, à tes collègues, à tes frères. Tu dis, mais lui, il est chrétien. Et moi, il se comporte comme ça. Frère,
L'église, c'est un hôpital. Ton ami que tu vois là, on est à l'hôpital ici. On est des malades. Il y en a qui sont guéris. Il y en a qui sont en voie de guérison. Donc, faut compatir. Faut être compatissant envers les frères. Amen. Il ne faut pas les juger. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est des hommes. Ils ont des faiblesses et des manquements. Voilà. Quatrième raison pour laquelle tu dois pardonner. Tu dois pardonner parce que toi-même, tu n'es pas un ange. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas irréprochable. Amen. Jean chapitre 8, verset 7. J'aime beaucoup ce passage-là. Jean chapitre 8. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Il dit, comme il continuait à l'interroger, il s'agit ici de Jésus à qui ils ont amené une femme. On dit, voici cette femme-là, Jésus, elle a été prise, on l'a surprise en train de tromper son mari en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi de Moïse, cette femme doit la lapider. C'est bizarre, il se voit venir avec le monsieur qui faisait l'adultère. C'est bizarre, non? Adultère, on fait ça à deux. C'est quand même bizarre. Ils ont fait à deux. Pourquoi c'est la femme selon la Bible? Bon, bref, il n'était pas là-bas. Mais toujours est-il qu'ils ont emmené seulement la femme. Et ils ont dit à Jésus, voici cette femme. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Amen. Et la Bible dit, ils se jetaient un pied à Jésus. Eux, ils insistaient, répétaient leurs questions. Alors il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. En d'autres termes, en réalité, pourquoi ils sont venus condamner? Pourquoi ils avaient des pierres pour lapider la femme? Parce que eux, ils se disaient que, eux là, c'est vrai qu'ils sont peut-être mauvais, mais ils n'ont jamais trompé leur femme. C'est vrai qu'ils font des choses, mais quand même, une femme adultère, c'est une abomination. Et Jésus vient ici maintenant de leur donner le baromètre. Ce qui te donne le droit de lapider quelqu'un, d'en vouloir à quelqu'un, c'est pas le fait qu'il ait commis le même péché ou bien un péché plus grave que toi. Parce que pour eux, cette femme-là avait posé une action, avait commis un acte à leurs yeux qui était plus grave que ce qu'ils ont commis jusqu'à présent. Et Jésus vient leur dire, non. Le seul qui est habilité à lapider quelqu'un, c'est celui qui dans sa vie n'a jamais péché. Il n'a pas dit que celui qui n'a jamais commis l'adultère lui jette la pierre. S'il avait dit ça, certains auraient jeté la pierre. Alors, beaucoup de fois tu juges ton frère, tu juges ta soeur parce que tu estimes que ce qu'elle a fait là, toi tu n'aurais jamais fait ça. Toi tu n'aurais jamais fait ça. Elle exagère. C'est quelle manière de vivre ça? Ok, Jésus dit, ok, tu as raison. Mais la seule chose qui t'autorise à lapider, c'est que toi-même, quand tu vas interroger ton cœur, tu regardes dans ta vie, là, si depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais commis de péché. Et quand il a dit ça, le standard est haut. Oh, pour lapider, il ne faut jamais avoir commis de péché. Ils se sont regardés du plus grand jusqu'au plus petit. Les vieux ont dit, nous là, notre nom est gâté, on a trop gâté le monde. Les enfants, on sait que vous allez la lapider, hein? On vous laisse la mission, vous êtes encore jeunes. Du plus grand jusqu'au plus petit. La Bible dit, il n'y a aucun qui a pu prendre ce caillou-là pour lapider la dame. Eux tous, ils ont déposé le caillou et ils sont rentrés à la maison. Et Jésus a regardé la femme, il dit, où ils sont ceux qui te condamnaient? La Bible dit, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte ce jour-là qui n'était pas meilleur que la femme. Elle avait peut-être commis l'adultère, mais il faisait autre chose. Il regardait des films porno. Il vivait dans des choses qu'on ne peut pas qualifier. Alors toi-même, pourquoi tu dois pardonner? Parce que tu n'es pas un ange. Tu as déjà péché. Parce que tu as péché une seule fois, à cause de cela, tu dois pardonner à tout le monde. Le fait que tu aies déjà péché te disqualifie pour juger qui que ce soit. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7. Il dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil?
Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi tu as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et ce passage là vient te dire quoi? En plus, il dit, non seulement quand tu as déjà péché, tu n'es plus autorisé à l'habiter, mais il te dit aussi que quand tu vois la paille, qui est le péché, qui est l'offense, qui est le défaut dans la vie de ton frère, ça est là pour t'interpeller, pour te faire te rappeler que toi-même, dans ta vie aussi, il y a un problème plus important que ce que tu es en train de voir. Il dit, au moment où tu vois la paille, c'est parce que toi, dans tes yeux, il y a une poutre. Donc au lieu d'enlever, d'être un spécialiste en enlevage de paille dans le quartier, dans la vie des frères, c'est toi qui connais leurs défauts, c'est toi qui sais qui n'est pas bien, qui ne vit pas bien, et toi, et tes poutres là. Tu ne vois pas les poutres qui sont en train de t'aveugler. Tu te regardes dans le miroir et tu ne te vois pas. Pourquoi? Parce que tu penses que tu es bien. Et tu te trompes. Dieu, quand il te voit, il voit une poutre dans ton œil. Tu es en train de t'aveugler. Et tu passes ton temps à juger les autres, à te croire la meilleure, le meilleur spirituel. Toi, moi, tu es bien, mais les autres, là, ils sont mauvais. Qui t'a appris ça? Jésus dit, ça te disqualifie. Alors, pardonne aux autres. Quand tu entends le problème de quelqu'un, là, tu dis, hey, Seigneur, aide-nous. Fortifie-nous. Fortifie ce frère, relève-le. Parce que nous-mêmes, là, si je n'ai pas fait ça aussi, c'est la grâce. Tu apprends que quelqu'un a trompé sa femme. Tu vois les gens, quand on les prêche, ils n'écoutent pas les messages. Il n'écoute pas les messages. Frère, il faut être compatissant. Il faut dire, hé Seigneur, fortifie-le. Et fortifie-moi aussi. Accorde-moi cette grâce-là de ne pas tomber un jour. Parce que je sais que si cet homme est tombé, peut-être qu'il s'est retrouvé dans une situation inconfortable. Amen. Tu vas excuser les autres. Tu vas dire, oh, il est mauvais. Il est mauvais. Et toi? C'est pour ça que la Bible dit, prends garde à ne pas tomber, toi qui te crois être debout. Pardon. Sois compatissant avec les autres. Tu n'es pas meilleur. Donc, toi qui veux lapider le président par exemple, mais qui trompe ta femme, toi-même à la maison chez toi, tu fais des choses qui sont bizarres. Et toi aussi, tu veux faire. Attends. La Bible dit, avant de juger quelqu'un, il faut que tu te juges. Et les hommes dans la vie, ils sont là. Tu critiques le politicien, tu critiques le gouvernement, mais et toi-même dans ton bureau, mets-toi en cause. Est-ce que tu fais ce qui est juste? Quand tu vas faire ton travail, tu vas rouler le taxi, est-ce que tu rends la monnaie? Est-ce que tu ne coupes pas ton patron? Et toi aussi, tu t'en vas insulter le gouvernement. Tu trompes ta femme. Et tu dis que le ministre est voleur. Et toi? Tu n'es pas un voleur aussi? Donc, il faut voir l'autre. Tu vois que l'autre a volé. Toi aussi, tu es un voleur. Tu dis, hey, Seigneur, pardonne-nous les voleurs. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Aide-nous. Sauve-nous. Mais tu vois les gens avec des pierres, avec des cailloux, prêts à lapider les autres. Pourtant, eux-mêmes, ils sont pires. C'est pour cela que notre monde va de désillusion en désillusion. Ceux qui étaient opposants hier, qui critiquaient, quand ils viennent au pouvoir, on leur fait la même chose. Ils sont après aussi, ils s'en vont. Quelqu'un d'autre vient, c'est la même chose. Parce que jamais personne ne veut se regarder dans un miroir, voir la poutre dans son œil, se remettre en cause et travailler sur lui-même pour être agréable à Dieu, pour mettre de l'ordre dans sa vie. On voit seulement les défauts des autres, mais on n'est jamais conscient de nos propres défauts. Donne-moi un mot, amen. Ou bien tu n'aimes pas mon message. Alléluia. Enlève la poutre de ton œil. Avant de dire à ta femme, femme insoumise, est-ce que toi tu es mari parfait? Est-ce que tu es irréprochable? Est-ce que tu aimes ta femme comme Jésus a aimé l'église? Tant que tu n'aimes pas ta femme comme Jésus a aimé l'église, tant que tu n'as pas 10 sur 10 dans tous les points de Éphésiens chapitre 5, tu ne dois pas dire à ta femme, hé, hey, tu es comme ça, tu es disqualifié. Parce que tu es une poutre. Femme, avant de dire, ah mon mari, est-ce que tu es une femme soumise? Comme l'église est soumise à Jésus. Tant que tu n'as pas 10 sur 10, tais-toi. Tu n'es pas qualifié à raconter des choses comme ton mari.
Le Seigneur te dit ce soir, apprends à pardonner. Avoir compassion des autres. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas saint, tu n'es pas un ange, tu n'es pas irréprochable. Il y a tellement de choses à te reprocher. Alléluia. Bon, il est l'heure. On va terminer rapidement. Cinquième raison pour pardonner, le pardon va t'élever, va être un tremplin d'élévation. Jacques chapitre 1 verset 2 dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Donc, la Bible dit, les offenses, les épreuves, tout ce que tu as subi, si tu sais regarder dedans, si tu sais regarder dedans pour pardonner, tu vas trouver un sujet de joie. Trouver un sujet de joie, ça va t'aider à pardonner plus facilement. Quand tu vas découvrir dans ce que tu as subi, les choses qui vont t'aider à trouver de la joie, tu vas voir que ça va faciliter le pardon. Parce que pourquoi tu pardonnes, tu ne pardonnes pas souvent parce que tu te dis que ce qui t'a fait là, ça t'a détruit. Ça t'a détruit quoi? Mais en réalité, si tu sais regarder avec les yeux de Dieu, tu vas découvrir dans cette offense un trésor caché. Alléluia. La Bible nous parle de Joseph. Dans Genèse chapitre 45, verset 5. Joseph qui regarde ses frères qui l'ont vendu. Ils l'ont vendu, ils l'ont tué, ils voulaient le tuer, ils voulaient pas s'amuser avec lui, ils voulaient le tuer. Comme ils n'ont pas réussi à le tuer, ils l'ont vendu pour qu'il soit esclave. Et des années après, Joseph le croise et Joseph lui dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le cas donc de Joseph nous interpelle. Et plutôt, il dit maintenant, Genèse 45, verset 5, maintenant ne vous affligez pas. C'est Joseph qui parle à ses frères qui l'ont vendu. Il est en train de les consoler. Il dit, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Entre eux là, qui doit dire ça? C'est ses frères qui doivent dire, Joseph, ne te fâche pas parce qu'on t'a vendu. Ou bien c'est à Joseph de le dire. Mais Joseph, contre toute attente, il regarde ses bourreaux d'hier et il leur dit avec le sourire, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et pour, devant vous, alléluia, et prendre soin de ma famille. Donc Joseph a compris qu'en fait, ses frères, ce n'étaient pas ses bourreaux, ce n'étaient pas des gens qui étaient venus pour détruire sa vie, mais ils étaient simplement un instrument entre les mains de Dieu pour le conduire dans la position de premier ministre. Pour le conduire dans son héritage, pour l'amener là où Dieu avait prévu qu'il soit. Donc il n'a plus regardé ces gens-là comme des bourreaux, il les voyait maintenant comme quoi? Comme des bienfaiteurs. Si tu sais regarder comment l'offense que tu as subie est un tremplin pour que tu sois propulsé dans ta destinée, tu vas voir différemment la personne qui t'a blessé. Tu vas comprendre que cette belle-mère qui te maltraitait, qui te faisait te réveiller à 4h du matin pour faire le ménage, pour ranger toute la maison, a fait de toi aujourd'hui une épouse disciplinée, qui sait tenir une maison, qui sait faire la cuisine et qui sait s'occuper d'un mari. Où tu allais apprendre ça? Si tu avais vécu avec une maman qui allait peut-être te gâter, te passer tous tes caprices, tu étais toujours en train de faire des hommes, demain tu arrives dans ton foyer, tu ne sais rien faire, tu ne sais même pas comment on marche, tu ne sais rien faire. Donc la maltraitance t'a aidé à être une bonne femme aujourd'hui. Combien de gens ont réussi dans leurs études parce qu'ils ont été confrontés à ce genre de choses? Et c'était le cas de Joseph. D'ailleurs, combien de gens aujourd'hui sont chrétiens qui ont rencontré Christ parce qu'on les a blessés? Il y a tellement de gens qui ont voulu se suicider après que le gars t'ait abandonné, après que ta copine t'ait abandonné. C'est en ce moment-là que tu as cherché Jésus et que tu l'as rencontré et que tu as donné ta vie à Jésus pour être sauvé. Si ce gars-là ne t'avait pas abandonné, est-ce que tu allais chercher Jésus? Donc grâce à lui, aujourd'hui tu es chrétien, ton âme est sauvée, tu vas au ciel. Donc quelque part c'est aussi ton père spirituel. Il a contribué à ta conversion. Tu dois le chercher et lui faire des offrandes. Pour dire merci de m'avoir trahi. Grâce à toi, je suis converti aujourd'hui. Grâce à ce échec, j'ai compris que je devais me battre dans la vie. Chaque fois que tu subis une offense, cette offense-là cache un trésor. Et Jésus, Jacques chapitre 1 te dit,
dans chaque offense, dans chaque épreuve, il y a un sujet de joie. Si tu le découvres, tu ne vas plus en vouloir aux hommes. Parce qu'aucun homme ne peut stopper ce que Dieu a prévu pour toi. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de donner un avenir et de l'espérance. Aucun homme ne peut arrêter le projet de Dieu dans ta vie. Il n'y a que toi, par ton manque de pardon, par ta propension à garder la colère, l'amertume, la frustration dans ton cœur, qui va bloquer le plan de Dieu dans ta vie. Décide aujourd'hui de pardonner, de voir différemment tes bourreaux et de leur tendre la main. Et tu verras comment Dieu va te propulser dans ton temps destiné. Amen. La sixième raison pour finir. Le manque de pardon est préjudiciable pour ta santé. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais quand tu en veux aux gens, tu peux être malade. Beaucoup de maladies cardiovasculaires sont dues au manque de pardon. Il y a des gens, beaucoup de témoignages de personnes qui ont juste pardonné des offenses et qui ont été guéris du cancer, qui ont été guéris de l'hypertension, qui ont été guéris du diabète, de l'ulcère. Pourquoi? Parce que toutes ces maladies-là souvent cachent un manque de pardon. Et comme je dis souvent aux gens, le prisonnier et celui qui surveille la prison, les deux sont où? Sont en prison. Donc le manque de pardon te maintient en prison. La meilleure façon pour toi de sortir de la prison, c'est d'ouvrir les portes pour libérer le prisonnier que tu surveilles. De cette façon-là, il est libre. Toi aussi, tu es libre. Tu peux vaquer à tes occupations. Mais tant que tu es un prisonnier à surveiller, tu es toi aussi en prison. C'est pour cela que tu es malade. Amen. Alors, je t'en supplie. Pardonne. Tu vas voir que tu vas aller mieux dans ta santé. La guérison va rentrer dans ta vie. La paix de Dieu va te restaurer. Et la septième raison, c'est que ceux qui pardonnent ont un grand honorable. La Bible dit, celui qui est maître de lui-même, elle vaut mieux qu'un héros. Celui qui est capable de se maîtriser, il vaut mieux que ceux qui peuvent renverser toute une ville. Donc la capacité à pardonner, à faire des efforts sur toi, fait de toi quelqu'un de plus élevé. La terre même reconnaît les gens qui ont pardonné des choses impardonnables, ils ont marqué l'histoire. Souvent même, ils n'étaient pas forcément chrétiens, mais il y a des gens qui ont marqué l'histoire. Pas parce qu'ils ont construit des maisons, mais à cause du fait qu'ils aient pardonné l'impardonnable. On prend l'exemple de Nelson Mandela, le président sud-africain, qui a été mis en prison, maltraité, et quand il est sorti, il a tendu la main à ceux qui l'ont brimé, à ceux qui l'ont fait souffrir. Cet homme-là, il est rentré dans l'histoire parce qu'il a construit des groupes, il a fait des maisons, des ponts dans son pays. C'est à cause du fait qu'il ait réussi à pardonner à ses bourreaux d'hier, à ses ennemis, que tout le monde le voit comme un modèle. Tout le monde le cite en exemple. Pourquoi on te cite en exemple? Pour que tu aies un rang honorable et que tu aies le respect de la communauté. Apprends à pardonner. Quand tu vas pardonner, tu vas grandir. Les gens, tu vas gagner. Tu seras étonné de voir que tout le monde te respecte. Parce que les gens respectent ceux qui pardonnent. Les gens sont admiratifs. Des gens qui sont capables. Parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas capables de le faire. Mais il y a quelqu'un qui arrive à le faire. Comment il le fait? En s'appuyant sur la parole du Seigneur. En s'appuyant sur Jésus. Pardonne. Cela va te donner un rang honorable dans la société et te conduire dans ta destinée. Voici sept raisons pour lesquelles tu dois pardonner. Ces raisons sont venues pour t'aider à comprendre la nécessité de pardonner. Donner à Dieu et à ceux qui t'ont offensé pour que plus rien ne fasse obstacle à ta prière, pour que quel que soit ce que tu vas subir, quel que soit ce que tu vas voir, la grâce de Dieu va te purifier, la grâce de Dieu sera toujours avec toi parce que tu pardonnes aux autres. Donc même si toi tu as trébuché, quand tu dis Seigneur pardonne-moi, Dieu dit mais toi-même là, tu viens de pardonner à quelqu'un qui a fait du mal, moi je n'ai rien contre toi mon fils, avance, ma grâce t'accompagne. Je suis toujours avec toi parce que tu as compris le secret, tu as compris mon cœur. En fait, celui qui comprend ce secret-là, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Quand tu es capable de pardonner, c'est comme si Dieu n'arrivait même plus à voir certaines de tes erreurs. C'est pour ça que David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'à son époque, il vivait à l'époque de œil pour œil, dent pour dent. Mais il regarde ses ennemis, il est dans la main, il embrasse ses ennemis. Son fils se rébelle contre lui, il dit ne tuez pas son fils. Saül l'a pourchassé. Le jour où Saül est mort, il a pleuré, il a pris le deuil pendant des jours. Ah, quel homme extraordinaire! C'est pour cela que Dieu dit ce gars-là, il est selon mon cœur. David fait, il commet l'erreur d'aller faire le dénombrement. Et c'est les gens qui meurent. C'est David qui a péché. Mais les autres, c'est les autres qui sont frappés. Parce que Dieu ne veut pas le frapper. Et le gars, il a compris le secret de Dieu.
il pardonne à ceux qui l'offensent. Toi aussi, pardonne. Ta vie va entrer dans une nouvelle dimension. Tu vas sentir que Dieu t'élève, Dieu te propulse dans ta destinée. Que la grâce te soit accordée ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Merci Jésus pour la force que tu nous accordes. Pour la grâce que tu nous fais de pardonner. Donne-nous de pouvoir pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. C'est vrai Seigneur que souvent nous avons subi des choses difficiles à supporter en tant qu'être humain. Mais si tu nous dis que c'est possible de pardonner sur la base de ta parole, comme Paul et Pierre pouvaient dire, sur la base de ta parole, je jette le filet. Sur la base de ta parole, nous décidons de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, à accepter de leur faire grâce et de pouvoir leur faire miséricorde afin d'obtenir de retour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes pour rendre grâce à Dieu pour ce moment. Alors, suis donc ces numéros qui s'affichent sur mon écran et tu peux aussi donc appeler pour faire ton offrande. Que Dieu te bénisse. Dans mon cœur, je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul, ton sang de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient. Nous te les consacrons, agrée-les, bénis-les, qu'ils fassent avancer ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un puissant amen. Alors, juste te rappeler certaines annonces avant que nous puissions nous quitter. Demain lundi, nous avons lundi de l'harmonie conjugale avec un thème nouveau que nous verrons donc dès ce lundi. Alors, ne manque pas ce temps d'enseignement sur le mariage et c'est sur YouTube, Facebook, sur les pages YouTube et Facebook, Face d'honneur Bamako et sur l'application Zoom. Donc tu pourras aussi donc t'inscrire et participer à ce merveilleux temps d'échange pour que nous puissions ensemble passer de bons moments dans la présence de Dieu et être enseignés, édifiés pour réussir des mariages selon le modèle de Christ et l'Église. Et aussi rappeler que tous les lundis, du lundi au vendredi, nous avons temps de prière matinale de 5h à 6h du matin, alléluia. Donc tu peux appeler un des numéros qui s'affiche afin de pouvoir participer à cette prière matinale, alléluia. Que Dieu bénisse ta semaine de façon spéciale et magnifique et miraculeuse. Et Seigneur t'accorde la force de pardonner, de pardonner. Parce que depuis plusieurs années tu as transporté cette affaire. Cette semaine Dieu te dit pardonne. Et tu verras que ce marché qui avait été bloqué depuis des années, le Seigneur le débloque de façon surprenante et de façon glorieuse. La grâce t'est accordée, la force de Dieu t'est accordée. Je vois la main de Dieu te protéger dans cette nation, te protéger, protéger tes déplacements, tes allées et venues. La main de Dieu en toute ta maison, en toutes tes entreprises. Tu es béni dans tout ce que tu fais. Sois abondamment béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors pour finir ce culte, nous allons passer au repas du Seigneur. La Bible nous dit que notre Seigneur, Jésus, dans la nuit, il a été livré, il a pris le pain, il a rendu grâce. Tiens, nous te rendons grâce pour ce pain qui a été livré pour nous, pour le pardon de nos péchés. Tu as déjà payé un prix afin que nous soyons pardonnés. Et ce matin, pendant que nous mangeons ce corps, tu nous accordes la capacité que tu as eue de pardonner à tes ennemis, de pardonner à Judas, de pardonner à Pierre qui t'a renié trois fois, de pardonner à tous ces hommes qui sont venus t'arrêter et à qui tu as recollé une oreille. Seigneur, cette capacité qui est en toi, qui te poussait à pardonner de façon extraordinaire, nous recevons cela en communion avec toi dans ta chair qui a été brisée pour nous. Alors, ensuite, après avoir rendu grâce et rompu, il a distribué ceci, et mon corps qui a été livré pour vous. Ensemble, mangeons le corps de notre Seigneur Jésus. Alléluia.
La Bible dit qu'après le souper, il a levé la coupe. Il a dit que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus est celui qui purifie, qui pardonne. Alors ce sang-là va venir aujourd'hui dans ton cœur pour ôter la racine de l'amertume. Tout ce que tu avais gardé durant ces années, tu es purifié dans le nom de Jésus. Tu es lavé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à la croix pour nous. Amen. Ensemble, buvons le sang de Jésus. Excellent dimanche, soyez bénis au nom de Jésus. À bientôt par la grâce de Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook, Vase d'honneur Bamako, YouTube, Vase d'honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant 76 28 19 28 76 96 26 44 pour tous vos sujets de prière et toutes préoccupations 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue.